Dans ce tuto, je vous explique les raisons pour lesquelles vous pouvez ne pas trouver un mot sur le clavier Métallo. Alors, première raison possible, vous cherchez sur la mauvaise base. Alors, il faut savoir que le clavier Métallo, c'est le clavier Métallo 1, qui lui s'adresse aux élèves en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il contient 7000 mots. Et vous avez le clavier Métallo 2, on l'obtient en cliquant ici, qui lui s'adresse aux élèves plus confirmés et qui contient 18000 mots. Donc s'il n'est pas présent sur la base 1, il peut être présent sur la base 2. Deuxième raison possible, vous n'avez pas connaissance de la touche drapeau pour les mots avec un encodage court. Si je cherche par exemple le mot loup, on va le chercher ici, loup. Vous avez une touche drapeau ici qui vous indique que vous avez déjà accès à une page de résultats possible. Donc on clique et on obtient son mot. Troisième possibilité, vous cherchez à encoder avec des lettres. Alors il faut savoir que le clavier Métallo, c'est un clavier phonétique. Donc on entre avec des sons, on encode des sons. Donc si je cherche par exemple le mot céleri, on n'encode pas avec des lettres comme avec le C, on va encoder avec un son. Alors on pourrait passer par céleri ou céleri directement. Et voilà, on accède à son mot. Enfin, dernière raison possible, le mot n'est pas présent sur la base 1 ni sur la base 2. Alors dans ce cas, je vous invite à nous contacter sur contact@metallo.fr, nous faire votre proposition et on regardera en équipe si on intègre le mot ou pas. Voilà, bonne utilisation.